Nouvelle manifestation en Israël contre Benjamin Netanyahou et sa gestion économique et sanitaire de la pandémie, mais aussi pour dénoncer la corruption et appeler à un changement. Le Parlement israélien a approuvé mercredi une loi restreignant les rassemblements lors du confinement, interdisant notamment les déplacements à plus d'un kilomètre, mais des applications sont apparues sur les réseaux sociaux pour fournir aux internautes la localisation de la manifestation la plus proche de chez eux. La loi approuvée mercredi vise, selon ses détracteurs, à faire taire les manifestations contre le Premier ministre. Depuis juillet, elles ont lieu chaque semaine. Avec plus de 260 000 cas confirmés et plus de 1 600 décès sur une population de 9 millions d'habitants, Israël est le pays avec le taux d'infection hebdomadaire le plus élevé au monde.